Nous sommes 5 km avant le sprint intermédiaire. Il sera disputé sur un faux plat montant. Attention quand même à ne pas lancer le sprint trop tôt. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Les coureurs de tête entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Un dernier moment de répit avant d'affronter les secteurs pavés. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. L'échappé est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne.
C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. La course va bientôt entrer dans sa phase finale, avec des secteurs pavés qui vont s'enchaîner. Il faudra être très bien placé, car les routes empruntées sont très étroites. Attention, le secteur qui arrive maintenant est long de 1200 mètres. De retard pour le peloton sur la tête de course. Allez, allez.
Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Les coureurs vont bientôt virer à droite et entamer un nouveau secteur de 1600 mètres en légère montée dans sa première partie. Le secteur suivant, lui, arrivera seulement 3 km après la fin de celui-ci. Ce secteur qui relie Verchin-Maugré à Saulzoire est long de 1200 mètres. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute.